passe par le groupe WhatsApp du personnel de la Direction générale des affaires pénitentiaires. Le dernier message, qui passe d'ailleurs pour le plus dangereux, est une mise en garde à l'endroit du directeur de la prison de Bobanza, Diomed Kambabadje. Le message, qui date de dimanche matin, commence par un adage en Kirundi qui dit que lorsqu'un animal n'en fait qu'à sa tête, il court vers une mort certaine. Dans ce même message, l'auteur dit que la prison de Bubanza se comporte tellement mal qu'elle ternit l'image du pays, invitant la direction de cet établissement à se ressaisir et à suivre les conseils qui lui sont donnés. Dans un premier temps, ces dernières menaces avaient été attribuées au directeur général en personne. Mais des sources proches de la DGAP affirment que Pierre Claver-Miburu, le directeur général, a nié, indiquant que le texte n'est pas de lui. N'empêche que ce message est survenu dans la foulée de propos du directeur général, qui se plaint fréquemment du traitement réservé à la journaliste Floriane Ilangabiye, jugeant que le directeur de la prison de Bubanza la traite trop bien, allant jusqu'à dire que la journaliste mérite d'être maltraitée. Début janvier, Pierre Claver-Miburu s'était rendu à la prison de Bubanza pour reprocher au directeur de cet établissement d'avoir laissé les détenus fêter le réveillon, parlant de laisser aller. D'autres agents de la même direction des affaires pénitentiaires sont allés jusqu'à vilipender Floriane Ilangabiye pour la tenue qu'elle portait lorsqu'elle a comparu le jeudi 12 janvier en cassation à la Cour suprême. C'est le cas de Clotilde Ndoumouremi, du service des affaires sociales à la prison centrale de Gitega, qui, dans un audio explicite, qualifie sa tenue de fantaisiste et la journaliste de hautaine. En réaction, Mireille Nchutinamagara, sa consœur de la prison de Bubanza, suggère de son côté que les images de Floriane ce jour-là ont été travaillées, faisant disparaître la couleur verte de la tenue réservée aux détenus, que le directeur de cette prison n'aurait pas osé la laisser partir avec une tenue autre que l'uniforme des prisonniers. Pourtant, dans un audio du directeur de la prison de Bubanza, celui-ci assume, indiquant que la tenue de Floriane ne provient pas de son établissement et qu'il ne comprend pas cet acharnement contre lui. Répondant à des messages l'interrogeant sur ce sujet, Pierre Claver-Miburu, le directeur général des affaires pénitentiaires, nous a invités à le trouver dans son bureau à Bujumbura pour en parler.